écoutes la radio Sabo, la radio du Sukomoé. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Radio Samo, le top des émissions, le top de l'info. Il était une fois dans un monde extraordinaire, un animateur pas comme les autres. Il était là pour une mission bien particulière. Apportait la bonne humeur à ses auditeurs. Vaste programme et mission qui lui était confiée. Au fond de la forêt, sombre et épaisse, il se prépare tous les soirs à cette matinée enchantée. Le voici pour vous, sur votre radio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didier. Et Sinostir. Toujours une grève. Mélange des journalistes, des médications et des chroniques, marketing, management. 3, 2, 1, go! Polémique Fanstar est une émission dédiée aux professionnels et fans du showbiz. Polémique traite des sujets à palabres et défraye la chronique à la fièvre. Comment ils sont aiguisés? C'est des katanas, mon ami! Des studios où toutes les opinions sont mises à nu. Les arguments des acteurs mis en cause sont confrontés au crédit des spécialistes. Si votre radio préférée, Radio Samo. Jeudi 2 février 2023, bienvenue dans Polémique Fanstar, votre émission culturelle et variété musicale qui fait l'apologie des faiseurs de l'industrie culturelle musicale de la Côte d'Ivoire. Bienvenue encore une fois à tous et à toutes. Et oui, vous suivez Radio Samo, la toute première web radio du Sud Comoé qui vous accompagne déjà 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est l'émission la plus rapide, la plus mouvementée, la plus chic-choc, la plus chocolatée d'Afrique. Vous êtes dans le plus grand studio d'Afrique. Et vous êtes avec humble serviteur que je suis, Mister Kra Didier. Une heure d'avalanche de sensations fortes, 14h-15h, tous les jeudis. Dans Polémique Fanstar, ce soir, un sujet assez intéressant. Avec un invité de marque, un écrivain hors du commun.
Il sera en lumière ce soir et il nous donnera son point de vue sur cette thématique assez intéressante. Je profite de l'occasion pour souhaiter un bon mois de février à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Je vous offre 1000 bisous mentolés à toutes les femmes qui nous écoutent des quatre coins du monde entier. Et 4 coups de tête à vous les bad boys. Merci d'avoir téléchargé l'application sur Google Play, Apple Store. Merci de nous suivre sur les 96.3 FM. C'est la radio que tout le monde préfère, que moi j'adore. Bien entendu, Radio Samoa, il y a mieux. Non, je pense pas. Il n'y a pas mieux ailleurs. Par rapport au programme, bien sûr. Voilà, ce soir, Polémique Fanstar s'intéresse à une thématique super, super intéressante. On parle ici de la distance. La distance impacte négativement sur les couples ou pas? Bon, à vous de voir. Est-ce que vraiment, vraiment, en toute franchise, la distance, les relations à distance, est-ce que ça marche? Parce que de manière terre à terre, les relations à distance, est-ce que ça marche pour de vrai ou pas? Ouais. Donc, la thématique ce soir, la distance impacte négativement sur les couples, vrai ou faux, à vous de nous dire. Et notre invité mystère de ce soir donnera son point de vue sur cette belle question, une question à deux volets. Hein. Écrivain de renommée internationale ce soir, il est avec nous dans quelques instants seulement et on va lui accorder cette interview exclusive par appel téléphonique, bien entendu. Dans Polémique Fan Star, il y a toujours des superstars qui s'annoncent. Son livre est assez atypique. Hein. Il parle de la Bible, une histoire de peuple et des traditions négro-africaines. Bon, vous allez me dire, c'est quoi ça encore? Je vous dirai, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Peut-être vous avez déjà entendu parler de cet ouvrage à la bibliothèque, dans toutes les bibliothèques de la Côte d'Ivoire ou bien de la diaspora. Peu importe l'endroit où vous trouvez, que vous soyez au Togo, que vous soyez au Bénin ou encore à Brazzaville, Kinshasa en France, à Bourges, coucou, big up à tout le monde là-bas. Peut-être vous avez déjà vu cet ouvrage, La Bible, une histoire des peuples et des traditions négro-africaines. Et l'auteur est là ce soir, dans quelques instants seulement, il va nous accorder cette interview exclusive. Bruno Simaou est l'auteur de ce beau ouvrage intitulé « Une histoire des peuples et des traditions négro-africaines ». Il sera on air, c'est la radio que tout le monde préfère dans quelques instants seulement. Et comme on l'aime si bien le faire, on va lui accorder cette interview exclusive par appel téléphonique, mais d'abord en chanson avec la nouvelle trouvaille de Suspect 95 en featuring avec Youssoupha, une belle théorie musicale hors du commun. Vous m'en direz forcément des nouvelles. Ça fait le buzz partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et je suis certain que ça sera du boum yaka dans le creux de vos oreilles. Sur la radio que tout le monde préfère. Je suis Kradidi. Vous n'êtes pas trompé de chaîne. Vous êtes sur Radio Samo. Let's start the party. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai. Let's start the party.
95. Premier album. Bah, va la prod. Yeah. Ah! C'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin. C'est pas la peine de me montrer vos dents. C'est pas l'amour qui me retient, bébé. C'est la paresse que tes appels m'emmènent après le mougou. Je vois la fierté dans vos yeux quand je rappe. Comme un roupé derrière son boss qui fait le boucan. Tu n'as rien, ta belle famille te néglige. Prends ton mal en patience après la pluie, le bout des beaux temps. J'apparais comme un brigand, mon parcours est intrigant. Mais c'est clean au détriment de ce qu'on prétend. Entre temps comme Aquaman et son trident. Je fais tomber les têtes et c'est pas fini. Autrement dit, sois prudent. Comment leur dire qu'on les condamne pas? Qu'elles sont belles et que la pommade gâte. Ce que je cherche c'est une épouse, pas quelqu'un qui est toujours en boîte. Sinon j'allais marier sardine ou bien tomate pâte. Ce qui fait la diff c'est ta confiance en toi. Moi très souvent je prie parce que je manque de foi. Souvent j'essaie de suivre la tendance mais je tourne en rond parce que j'oublie que la tendance c'est moi. 3000 inscrits, 56000 votants. Les gars ne se cachent plus, ouais passer le respect. Dis-moi ce que tu espères, faut t'adapter ou bien tu la fermes car la société est suspecte. C'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin. C'est pas la peine de me montrer vos tantes. J'suis pas ton paternel MC, j'ai déjà niqué vos mères. C'est pas la peine de me montrer vos tantes. On trouvait que j'étais fini, j'ai retrouvé le feeling. J'ai retouché le mili, j'ai repoussé les limites en illimité. Alors faites preuve de dignité les salopes, choisissez-vous. Quand j'rappe sans crainte pour mes gars qui manquent. Je bousille tes enceintes et je te documente. Putain j'suis pas une feinte comme rappeur qui mente. Ne confonds pas les peintres et les imprimantes. Boycotter c'est banane. Beaucoup de rappeurs sur côté parce que ça vient de Paname. Me souhaitez pas bonne chance, vous mettez dans l'embarras. J'te jure c'est pas la chance, tout ça seulement c'est le bara. J'parle cru, le monde est cruel. J'parle rue, le monde est ruel. Que Dieu m'accorde ma part d'étoiles. Tellement de gens qui ne te parlent pas, mais c'est les mêmes qui parlent de toi. Y'a Foy, j'remonte ma cote à Paris. On m'a haï, puis on m'a célébré comme Copa Barry. Tire, 2000 francs, c'est le reliquat. J'ai offert diamant à ma go, suspect, j'ai trahi le syndicat. Mais j'ai le gouma, mon amour. J'ai le gouma comme un Algérien après Algérie, Cameroun. Et j'reviens sur terre, coupe le beat en suspense. Car la société est suspecte. Car la société est suspecte. Car la société est suspecte. Écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Le son de ta Radio Samo. On ne se lasse jamais. Restez sur votre station préférée. Sur votre station préférée. On revient juste après. Chaque jour, on lit vos dédicaces. Vos dédicaces. Sur radiosamo.net. Alors, si toi aussi, tu veux que Radio Samo lise ton message, il te suffit de l'écrire en commentaire ou en vocal sur le site de radiosamo.net. Salut, ici c'est Emma de Brick Prod. Suivez la Radio Samo sur les 96.3 FM et téléchargez l'application Radio Samo sur Apple Store et Play Store. Mouais. Salut, je suis Marie-Emmanuela Tosso, première dauphine Yamoussoukro Miss Côte d'Ivoire 2021. Je vous invite à écouter la Radio Samo sur les 96.3 FM et télécharger l'application Radio Samo sur App Store et Play Store. Bisous! Vous souhaitez communiquer sur Radio Samo pour vos avis de pairs, informations communautaires. Radio Samo vous accompagne. Faites la promotion de vos événements sur Radio Samo 96.3 FM. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 94 24 63 99. Les jeunes branchés passionnés, Radio Samo, la première web radio du Sud Comoé, t'offre la possibilité de vivre tes rêves. Rejoignons vite sur les 3 fins d'ouvrir pour Radio Samo.
samo.net ou compose le 05 942 463 99 pour t'inscrire afin de faire partie d'une équipe d'animateurs, de journalistes ou de reporters. Alors, tu commences quand? Tu kiffes pas? Tu es hors zone. Je suis Antoinette Conan. Je vous invite à écouter Radio Samo sur les 96.3. Ciao! Sens et essence. Sens et essence, votre nouvelle émission culturelle de décryptage des proverbes et superstitions africaines. Retrouvez Gradidi sur Radio Samo. Sens et essence, la quintessence de vos sens. Le droit est nous. Votre nouveau rendez-vous juridique qui vous donne des notions de droit sur la loi dans notre société. Retrouve Gradidi, le droit et nous, c'est sur Radio Samo. Des séjours agréables dans notre belle localité du Samo. L'hôtel La Colline vous propose ses services entre de très beaux cadres et met à votre disposition plus d'une vingtaine de chambres climatisées avec eau chaude, des chambres ventilées avec des lits de 3 places confortables, des places parking auto. L'hôtel La Colline, situé à Samo, au quartier de l'école primaire Jean-Baptiste Autron, en face de l'immeuble Bateau. Pour des informations ou des réservations, appelez au 07 59 84 37 39 ou au 05 86 85 66 82. Consultation, enseignement sur la santé dans Allo Docteur, c'est tous les samedis de 20h à 21h. Allo Docteur, votre mission qui vous apprend tout sur votre santé. Allo Docteur, votre santé, notre préoccupation. Sur Radio Samo, une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h, avec Florent Bois. Féru de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre. Football, basketball, athlétisme et bien d'autres sports, c'est toute l'actualité sportive nationale et internationale, décryptée par vos experts. Présenté par Abraham Emmanuel. Votre grande quincaillerie générale spécialisée dans la vente en gros et détail. ETS NAD et ETS NAD Luxe situés au rond-point de Samo et à Benoît après barrage dans la station service, gratifiés à votre aide d'achat des produits de qualité et professionnels. Ciment, fer à béton, tôle, peintures de tout genre et bien d'autres articles. Infoline 07 78 59 80 00 05 86 86 86 83. ETS NAD, qualité supérieure, tout pour le bâtiment. Pitch Sinustir. Toujours une grève. Mélange des journalistes, des médications et des chroniques. Marketing Management. Polémique Fanstar est une émission dédiée aux professionnels et fans du showbiz. Polémique traite des sujets à palabres qui défrayent la chronique à la fièvre. Comment ils sont aiguisés? C'est des katanas, mon ami. Des studios où toutes les opinions sont mises à nu. Les arguments des acteurs mis en cause sont confrontés aux critiques des spécialistes.
écoutez votre radio préférée, Radio Samo. Nous sommes de retour au studio de Radio Samo, la toute première web radio du sud d'Omoé. Nouveaux accompagnants déjà, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En ce moment, vous écoutez Polémique Fanstar, votre émission culturelle et de variété musicale. Nous faisons l'apologie des superstars. Oui, vous êtes les fans et vous aimez vos fans. Nous, nous aimons les fans qui aiment les fans et nous sommes tous dans la famille des fans qui aiment les fans. En tout cas, c'est comme ça, ça se passe ici sur les ondes de la Radio Samo, bien entendu. Depuis le début de cette émission, je l'avais dit, hein, nous serons dans quelques instants ensemble avec notre invité de ce soir, Bruno Simaou, l'écrivain mérite. Bien entendu, vous qui nous suivez depuis le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, dans les alentours, dans la sous-région, merci d'être avec nous. Alors, notre écrivain ce soir, bien entendu, a écrit l'œuvre exceptionnelle et nous sommes très contents de parler de cette œuvre. Il parle de la Bible, une histoire des peuples et des traditions négro-africaines. Et la thématique de ce soir qui sera présentée à notre invité mystère de ce soir, bien entendu. Et on parlera de la distance impact négativement sur les couples. Est-ce que vous pensez que la distance impacte négativement sur les couples? Vrai ou faux? À vous de le dire. Vous pouvez intervenir sur cette émission là pour donner votre point de vue. C'est ce qui fait polémique actuellement partout en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, et c'est important d'en parler. Les dieux de la technique nous ont accordé cette interview exclusive. Bonsoir, bonsoir cher ami, comment allez-vous? Je vais très bien, merci de me recevoir sur votre radio. Merci à vous et puis merci à tous Radio. Vous êtes en direct sur la Radio Samo, le monde entier vous écoute et nous sommes très contents
de savoir que vous êtes avec nous ce soir. Mais c'est moi qui vous remercie, moi qui suis très honoré d'être sur les antennes de Radio Samo. La communication est un peu compliquée. On va essayer de revoir ce qui se passe. On va demander encore au dieu de la technique de nous aider en tout cas. Ah, allô, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Il y a un retour qui n'est pas assez intéressante. On peut couper les autres musiques, les autres paroles derrière. C'est bon? Il y a pas de... À mon niveau, non. Ouh là là, d'accord. D'accord. Alors, on va essayer quand même avec les dieux de la technique pour nous permettre de faire cette interview calmement. Alors, on dit bonsoir à une superstar ce soir. On dit bonsoir à qui? Est-ce que vous pouvez vous représenter à l'ensemble des auditeurs de la Radio Samo? Ben, je suis simplement Bruno Simon. D'accord. Je suis auteur. Je suis chercheur sur la thématique des traditions religieuses indigènes et du dialogue interculturel. D'accord. Et ça fait combien de temps vous êtes écrivain? Une petite vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, waouh! D'accord. Et comment êtes-vous rentré dans l'écriture? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est au collège, quand nous étions au collège, dans les années 90, d'accord. C'est plus qu'il y a 7 ans, c'est plus fou. Mais on nous donnait un texte pour deviner le début du texte, puis la fin du texte. Voilà, et puis bon, fallait se mettre dans la tête. Et puis je pense qu'il y a eu un exercice où j'ai réussi avec brio, félicité professeur, j'ai été félicité par toute la ville parce que c'était Est-ce que vous m'entendez, monsieur Simao? Oui, je vous entends très bien. On a des difficultés pour le retour. On va vous rappeler dans quelques instants seulement, d'accord? On va vous rappeler le temps de régler la technique. Merci bien. Qui connaît mes humeurs, moi souvent je te tourne le dos, bébé je
je peux pas contrôler mes peurs. Je n'ai jamais eu les moments, à part ceux qui servent à te faire pleurer, à part ceux qui servent à nous faire crier. À ma femme, je ne sais plus parler. Pardon, pardon. Je pourrais l'écrire, pardon, pardon, pardon. Papa sorry, oh, 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 nous sommes de retour au studio de Radio Samo. Nous sommes en direct cette fois-ci. Les dieux de la technique nous ont accordé cette interview de manière exclusive. C'était pas évident, mais on a réussi quand même. Alors, notre invité est toujours avec nous. Il va se représenter pour qu'on puisse comprendre et avoir toutes les informations nécessaires sur cette émission. Polémique Fanstar s'intéresse ce soir à un grand écrivain. Rebonsoir, monsieur. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio, Samo. Est-ce que vous pouvez vous représenter afin que tout le monde sache avec qui on part ce soir? Bruno Simaou, à l'état civil Bruno Aramaniagaou. D'accord. Donc auteur. Oui. Auteur, chercheur indépendant. D'accord. Chercheur indépendant. Religions endogènes, des traditions africaines. D'accord. Et du dialogue interculturel. D'accord. Quand on a commencé cette interview, on m'avait dit que ça fait 20 ans que vous êtes dans l'écriture. Votre oui. plume ne vous lâche plus et puis vous êtes toujours inspiré. Oui. Dernièrement, vous avez écrit une œuvre hors du commun. On parle. Vous avez fait une autre, on va dire, une autre thèse de la Bible, si je m'abuse. Oui, on peut le dire ainsi. Le titre est assez parlant, c'est la Bible, d'accord. Une histoire des peuples et des traditions négro-africaines. Mmh. Voilà, donc de la trajectoire des écoles initiatiques africaines aux religions abrahamiques. D'accord, et le but c'est de faire quoi? Parce que c'est comme il y a pas des abus, il y a une rétrospection de ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la Bible. Qu'est-ce que vous dites exactement dans ce livre là? Ben, je présente la Bible telle qu'elle est. D'accord. Je la présente dans ce qu'elle a de plus simple. Mmh. Et je la présente dans ce qu'elle a de plus factuel. D'accord. Donc les personnages de la Bible, les faits de la Bible, mmh. les pratiques de la Bible. Mmh. Nous ramène à un peuple dont on connaît aussi les pratiques et les habitudes, mmh. et c'est le peuple africain. D'accord. Et il y a tellement de comparaisons, mmh. il y a tellement d'éléments à mettre en relation, mmh. que nous avons poursuivi nos recherches, mmh. pour aboutir finalement à la conclusion que le peuple dont on parle dans la Bible, mmh. Qu'on appelle les Israélites, mmh.
et qu'on appelle aujourd'hui communément les Juifs, sont les Africains qui ont habité le nord de l'Afrique. Ah bon? D'accord. Et qui se sont retrouvés dans le pourtour méditerranéen. D'accord. C'est-à-dire dans le proche, le Moyen-Orient, dans le sud de l'Europe, et qui après la conquête des Arabes et la conquête donc des Indo-Européens, a quitté le nord de l'Afrique, a traversé la bande de sable qu'on appelle le Sahara, pour se retrouver en dessous de cette bande, donc dans toute l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et même jusqu'en Afrique du Sud. Okay. Vous avez les 12 tribus d'Israël qui sont à l'origine des Noirs et qui continuent de demeurer telles quelles. Et l'histoire continue de nous donner les preuves de ce que ce peuple-là dont on parle dans la Bible n'est rien d'autre que le peuple africain. Waouh, mais c'est enrichissant tout ce que vous venez de dire, et ça m'amène à poser une question assez intéressante. Quand on parle de Abraham, l'origine, parce que déjà Abraham par rapport à la Bible, c'est l'origine de toute chose, hein, qui est le nouveau Adam. Quelle est l'histoire que vous pouvez nous donner en quelques lignes tout de suite là même par rapport à Abraham? Ben Abraham, comme tous les autres personnages de la Bible, il est présenté comme le père de la foi. D'accord. Mais ce père de la foi pose des actes dans la Bible qui nous ramènent dans nos traditions et dans nos cultures. Ah bon? C'est quoi la comparaison? C'est quoi la comparaison? Mais Abraham, toute sa vie, pour ceux qui lisent la Bible, c'est quelqu'un qui a passé son temps à passer des pactes avec Dieu. D'accord. Et qui a rencontré Dieu toujours sous des arbres. Et qui a toujours fait des alliances. D'accord. Voilà, donc c'est un homme d'alliance et des rituels. Le premier acte qu'il pose dans la Bible, d'ailleurs, à la suite d'un très long dialogue avec Dieu, c'est d'immoler des bêtes et de sceller un pacte avec Dieu. Mais ce côté est aboli, hein, monsieur. Oui, on ne parle pas pour le moment d'abolir ou de ne pas abolir. D'accord. On parle de faits qui sont présents dans la Bible. D'accord. Voilà. Avant de parler de... est-ce que c'est interdit, est-ce que ce n'est pas interdit, mais on parle pour la Bible de manière scientifique, de manière froide, pour voir quels sont les actes qui sont posés dans ce livre tout simplement. Alors, voilà, donc Abraham, c'est Ibn Ra'im, son nom veut dire l'enfant de Ra, qui a été consacré au dieu Ra tout simplement. Ra donc, qui veut dire Dieu, hein? Oui, voilà, Ibn avait dit fils de. Fils de, voilà. D'accord. Voilà, Ra, c'est la divinité égyptienne. Égyptienne, tout à fait. Voilà, connue pour être représentée par le soleil. Voilà, donc Ibn Ra'im, c'est celui qui a fait une alliance avec le Très-Haut, tout simplement. Donc Ibn Ra'im, c'est un nom théophore. Et dans la Bible, vous avez beaucoup de noms théophores, c'est-à-dire des noms que les personnages vont avoir après avoir passé une alliance avec Dieu, c'est-à-dire après avoir fait une initiation avec Dieu. Abraham, à l'origine, c'est Abraham, et on va dire dans la Bible qu'il devient Abraham. Parce qu'il est devenu le père d'une multitude. Tout mais en réalité, partout, vous voyez un changement de nom dans la Bible. Que ce soit Sarah qui devient Saraï, que ce soit Abraham qui devient Abraham, que ce soit Jacob qui devient Israël, nous sommes en face d'une initiation qui a porté le personnage à un stade plus élevé, à une fonction plus élevée, et qui donc l'a amené à changer de nom, tout simplement. Et l'évolution, ça se fait dans nos traditions. L'évolution des choses qui se sont faites au temps jadis, dans ce 21e siècle, comment on peut. Y a des figures de style qui sont déjà claires. Y a-t-il une comparaison encore sur notre génération? Oui, mais tout à fait, nos générations sont là. Les traditions n'ont pas disparu. La Bible est. Par rapport à l'évolution, on peut comparer notre nouvelle génération. Y a-t-il une évolution sur la tradition, sur nos comportements, notre alliance avec Dieu? Y a-t-il un changement radical? Oui. Les peuples sont mouvants, les traditions évoluent. Voilà, alors donc, ce qui a été hier continue d'exister aujourd'hui autrement, tout simplement. Donc, il n'y a rien de nouveau sous les cieux, comme on dit dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau fondamentalement. Mais les traditions s'adaptent, elles évoluent. Quelqu'un qui est une tradition qui a pris forme
dans une zone de forêt, par exemple, va s'exprimer à travers les arbres, à travers les feuilles, à travers les réalités de la forêt. Le même peuple qui habitait la forêt, quand il va se retrouver dans une zone savanicole ou dans une zone désertique, il n'a plus les mêmes éléments pour représenter son Dieu, pour faire son culte. Il va donc prendre d'autres éléments, tout simplement. Voilà. Donc, dans le désert, il va avoir les animaux, il va avoir les pierres. Donc, vous prenez, par exemple, les peuples africains. Ils font des rituels à base des plantes et des feuilles. Vous prenez ceux qui sont dans les zones où il y a beaucoup d'animaux, c'est avec les animaux qui font les alliances. Vous prenez ceux qui sont carrément dans les déserts, les peuples arabes et tout, mais c'est avec les pierres. Vous les voyez porter des pierres sacrées, des choses comme ça. Donc, oui, les traditions s'adaptent tout simplement. Alors, dites-nous, pour le jeune Africain moderne, qu'est-ce qui l'intéresserait dans cet ouvrage? Alors, ce qui intéresserait le jeune Africain dans cet ouvrage, c'est d'abord de retrouver le sens de l'histoire et la vérité des faits. D'accord. On lui a présenté la Bible comme étant un élément étranger à lui. C'est apparemment, pense-t-on, le livre des Blancs. Ce livre-là est arrivé chez nous, par exemple, sur les côtes ivoiriennes, par la Société des Missions Africaines. Donc, ce sont des Blancs qui arrivent avec la Bible. Tout à fait, et les puis, missionnaires. Dans l'évolution, on va représenter Jésus, on va représenter les saints, la Vierge Marie, comme étant des personnages blancs. Donc, tout de suite, ça passe dans la conscience populaire comme étant l'histoire des Blancs. Vous comprenez un peu? Alors que la Bible elle-même ne naît pas en Europe, elle ne naît pas en Occident, elle naît au Moyen-Orient. C'est chez les Israélites, qui ne sont pas les Juifs d'aujourd'hui. Les Israélites dont nous parlons, ce sont les Africains. Et donc, pour celui qui pense que la Bible est un élément extérieur qui vient à lui, nous lui permettons de redécouvrir sa culture à travers la Bible, qui parle de libation, qui parle du statut votif, qui parle du Toumim et de l'Ourim, qui sont des, les dés sacrés avec lesquels le grand prêtre consultait Dieu. Oracle du Seigneur dans la Bible, c'est pas que Dieu a parlé depuis les cieux, c'est qu'on a lancé les dés sacrés et on a consulté la volonté de Dieu qui s'est exprimée à travers la position des dés sacrés. Et c'est pas donc méchant de le faire. Et c'est pas dans méchant la Bible de le aussi faire. Les fleuves sacrés, les arbres sacrés, les montagnes sacrées. Et donc, ce sont les mêmes réalités que nous avons chez nous. D'accord. Et ce livre-là est vendu à combien? J'ai vu 10 000 francs. C'est bien cela? Allô? Oui, je demande, le livre est vendu à combien? Le livre, il est à 10 000 francs. D'accord. Et où on peut trouver ce livre-là? Ben, on peut le trouver en face de l'immeuble Diam. D'accord. L'immeuble Diam au plateau. C'est pour le moment le seul point de vente. D'accord. Voilà, parce que nous éditons à compte d'auteur, donc le tirage est limité, et donc nous avons pour le moment un seul point de vente, nous avons des contacts. D'accord. Pour ceux qui voudraient l'avoir aussi. Allez-y pour les contacts, allez-y pour les contacts. Vous avez donc le 01 43 50 56 64 et vous avez un autre numéro. Qui est le 05 75 47 02 19. D'accord. Et sur Facebook, sur Instagram, on peut avoir vos contacts aussi, hein? Oui, c'est Bruno Simaou sur Facebook. Bruno Simaou sur Facebook. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Et, quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes Africains modernes qui sont perdus, qui n'ont plus d'identité spirituelle? Parce qu'à travers ce livre-là, on voit un peu que vous retracez un peu l'histoire et vous donnez une autre explication de ce que de la vérité dogmatique qu'on nous a enseigné depuis la nuit des temps dans la Bible. Oui, tout à fait. Ce que je conseillerais, c'est que, vous savez, quand les missionnaires sont arrivés, ce sont des Blancs qui arrivent dans un territoire qu'ils ne connaissent pas. Tout à fait. Ils voient des réalités qu'ils ne connaissent pas. Tout à fait. Et ils viennent dans la démarche des gens qui apportent Dieu à des peuples qui n'ont pas Dieu. C'est dans cette démarche-là qu'ils arrivent. Alors que Dieu, il est connu dans toutes nos langues. Il est connu dans toutes les langues africaines. Créateur, on le connaît. Puisque Dieu a une multitude de noms, plus de 5000 noms. De l'arbre, de tout ce qui existe. Tout à fait. Le paganisme n'est pas africain. Il y a une réalité qui est au-dessus de toutes les réalités. Maintenant, quand ils sont arrivés, le premier plan qui arrive par exemple à Korogo et qui voit une cérémonie de poro, ou qui arrive à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui voit des masques danser,
Mais ce n'est pas dans son habitude. Mmh. Il n'a pas l'habitude de voir ça. Tout de suite, il dit qu'il voit le diable. Et donc, c'est comme ça que les premiers missionnaires ont commencé à diaboliser ce qu'ils ne connaissaient pas, tout simplement. Mais ça s'est passé de génération en génération. J'encourage donc à revenir à la tradition qui est différente du mal. D'accord. Le mal, c'est le mal. Mais la tradition, c'est ce qui s'est transmis de génération en génération, de père en fils. Et l'Afrique, c'est l'ancestralité. La bénédiction vient de la mère. D'accord. Parce que vous comprenez, et vient des autorités morales de la famille. Et donc la prière, c'est faire les rituels de la famille, c'est honorer son père et sa mère. Et d'ailleurs, la Bible reprend ça. Le plus grand commandement que la Bible donne, c'est honore ton père et ta mère et tu seras béni. Les autres, ce sont des recommandations, tout simplement. Mais donc là, on est encore en Afrique. Donc prendre la religion comme étant un bouclier et fuir la tradition, c'est tout simplement être encore dans l'ignorance, malheureusement. Il faut voir dans la tradition ce qu'il y a de positif, parce que la tradition, malheureusement, est portée par des hommes. Et les hommes, vous avez les bons et les mauvais. Donc, il n'y a pas une communauté d'hommes parfaite. Donc, les hommes bons vont prendre la tradition pour faire du bien. Les hommes mauvais vont prendre la tradition pour faire du mal. Voilà. Donc, il n'y a pas une tradition a priori qui soit mauvaise. Et la Bible, comme je le dis, c'est toute l'histoire de notre tradition, avec les références bibliques à l'appui, avec les évidences à l'appui. Quand je parle, par exemple, de libation, chez nous, parler à Dieu, c'est verser de l'eau à terre, c'est parler aux ancêtres. Il y a énormément de versets dans la Bible qui parlent de la libation. Les Juifs ne continuent pas de faire la libation parce que ce n'est pas leur tradition. Les Européens ne font pas la tradition parce que ce n'est pas leur tradition. Mais les Africains continuent de faire la libation. Vous comprenez un peu? Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle dans la Bible les théraphimes. Je parle des anciennes Bibles. Les théraphimes, c'est quoi? C'est les statues votives qui servent à protéger et avec lesquelles on fait la consultation. La Bible parle de ça dans l'histoire de Rachel et de Laban. Dans l'histoire de Rachel et de Laban, pourquoi as-tu volé mes dieux? Dit Laban, on est dans la Bible. Mais c'est Dieu dont il parle, c'est quoi? C'est les statues votives, tout simplement. Alors, monsieur, alors Bruno, juste une dernière chose avant de fermer les portes. On a déjà étanché l'heure qui nous est impartie. Juste demander, on a une thématique qui est lancée ce soir. Est-ce qu'on peut vraiment vivre une relation amoureuse à distance pour les couples? Vous pensez que c'est faisable, c'est possible? On est en dehors de la technologie, c'est notre réalité. Voilà, donc. Mais est-ce que ça marche pour de vrai? Est-ce que c'est pas négatif, c'est pas nocif pour la bonne continuation du couple, une relation à distance? Oui, ça peut exister. C'est-à-dire que qu'on soit présent physiquement ou à distance, il faut que ce soit quelque chose de vrai. Il faut que ce ne soit pas virtuel parce que c'est à travers les ondes. Donc c'est à travers la télécommunication. Il ne faut pas que ça se limite au virtuel. Donc, et puis il ne faut pas que ce soit aussi trop distant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'aimer indéterminément à distance. Il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se voit. Et donc la finalité, c'est qu'on peut entretenir une relation à distance, mais il faut qu'elle finisse par se matérialiser. Il faut que les amoureux finissent par se joindre. D'accord, merci bien monsieur Bruno. Des personnes à saluer, des personnes à remercier ce soir? Je pense tout de suite à Vital. D'accord. Voilà, à Vital et à son fan club Showbiz. D'accord. Voilà, en dehors de lui, je pense à tous les pasteurs, à tous les prêtres que j'invite à prendre ce livre pour redécouvrir la Bible autrement, pour la relire tranquillement. D'accord. Et puis de voir que ce dont on parle dans la Bible, c'est leur histoire tout simplement. Voilà, au-delà des prêtres et des pasteurs qui sont les pratiquants de la Bible, j'invite les croyants et les chercheurs aussi, les sociologues, les anthropologues, les paléontologues, à tout le monde à pouvoir se saisir de ce livre et pour pouvoir faire une marche en avant. Non, merci infiniment, merci pour cette interview exclusive par appel téléphonique. Voilà. C'est fabuleux. Sachez que Radio Samo va vous accompagner. Je suis avec vous, ne vous inquiétez surtout pas. On va faire la communication de ce programme, de ce livre exceptionnel. Merci encore et à très très bientôt. Allez, c'est moi qui vous remercie. À
À l'instant, Bruno Simao, écrivain chercheur, qui nous envoie une belle ouvrage, joli comme ça. Ben, je vous conseille de récupérer l'œuvre pour lire cette œuvre hors du commun qui va au-delà de l'imaginaire. Pourquoi je vous dis? Parce que c'est l'œuvre qui retrace et tant soit peu l'histoire de la Bible, et nous sommes très ravis que cet jeune africain moderne qui a bien pu concevoir cette œuvre là, et ça nous envoie carrément à retravailler tout ce que nous savons, tout ce que nous connaissons, et c'est magnifique, chers amis auditeurs de Radio Samo. Et bien c'est sur ces notes là que moi je dis au revoir. On se retrouvera certainement le jeudi prochain, voilà, avec une toute autre star qui a marqué son histoire dans son domaine d'activité, oui. Et on remettra jamais assez tous ceux et celles qui nous ont écoutés depuis le début de cette belle émission. Là, vous êtes nombreux à nous suivre partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Merci encore une fois. Merci infiniment à Bruno Simao sur ce livre-là, La Bible, une histoire des peuples et des traditions négro-africaine. Il a retracé encore l'histoire de la Bible, et c'est au prix de 10 000 francs CFA. Vous nous contactez tout simplement et vous aurez toutes ces informations au 01 43 50 46 64 ou le 05 05 91 10 33. Je suis Cradidier, bonsoir chez vous. Mélange des journalistes, des vindications et des chroniques, marketing, management. Polémique Fanstar est une émission dédiée aux professionnels et fans du showbiz. Polémique traite des sujets à palabre et défraye la chronique de la fièvre. Comment ils sont aiguisés? C'est des katanas, mon ami. Des studios où toutes les opinions sont mises à nu. Les arguments des acteurs mis en cause sont confrontés aux critiques des spécialistes. Si votre radio préférée, Radio Samo. Radio Samo.